16h30, c'est à bord de cet avion militaire que 8 patients guadeloupéens sont rapatriés en Martinique. Des cas urgents qui doivent rapidement retrouver le service de réanimation du CHUM. Ils sont transportés à bord d'ambulances réquisitionnées pour l'occasion. 3 motards de la police nationale ouvrent la voie, surtout à cette heure de pointe. Notre but aujourd'hui, c'est de faciliter le passage pour permettre aux ambulances de faire le trajet de la base militaire au CHU. Donc en gros, on va récupérer des personnes qui sortent du CHU de la Guadeloupe. Une mission finalement ordinaire pour les ambulanciers, juste chargés du transport des malades. On nous a réquisitionné dès midi et demi et on attendait juste l'avion. Une fois qu'ils sont arrivés, on a fait le nécessaire. À la base, c'est un transport de malades. Ils ont différentes pathologies que je ne connais pas, alors je peux rien dire là-dessus. Que vous avez vu les patients qui sont arrivés sur la plateforme aéroportuaire, voilà. Si peu d'informations nous sont données, nous savons néanmoins qu'une deuxième rotation devrait avoir lieu ce soir, vers 22h.